Oui, bon, mais laissons quelques jeunes philosophes parler de la tauromachie, ou de je ne sais pas quoi, ou des philosophies des jukebox, ou philosophie de la ponctuation. Philosophie de la ponctuation. Mais lisez Peter Sundin, vous allez apprendre beaucoup de philosophie, assez peu sur la ponctuation, parce que c'est de la vraie philosophie. Mais on ne peut pas l'expliquer simplement comme une sorte de dévergondage. Donc voilà, maintenant on a assez parlé de Dieu, de l'âme, je ne sais pas quoi, maintenant on va parler de la prostitution, des jukebox et de la pop culture, comme ça, ça fera plus jeune, on aura l'air pop. Ben, il n'y a pas besoin d'avoir l'air pop. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que la philosophie ne peut plus ignorer les objets qui sont ceux de la pop philosophie. Tout simplement parce que les choses ont beaucoup changé, parce que la philosophie se trouve mêlée, immergé dans un monde où la réalité et la fiction aujourd'hui se confondent. Et par conséquent, il y a besoin effectivement où elles sont imbriquées, et il y a besoin qu'elles doivent transformer ce monde, au sens presque marxien, je veux dire. Elles doivent l'interpréter, elles doivent aussi le transformer. Et pour l'interpréter, il faut qu'elles s'immergent dans ce monde qui est apparu, peut-être en prévenant notre propre compréhension. Et je prends un exemple très simple. Lorsque Avita Ronell, une philosophe américaine, et Maurizio Ferraris, qui est lui un philosophe italien, ils ont fait leur premier livre, presque de façon contemporaine, sur le portable, le téléphone portable. Ils ont dit, mais enfin, quand même, universitaire, il parle du téléphone portable. Or, on s'est aperçu tout de suite que ce n'était pas une étude de l'objet technique. Je n'ai pas le temps de développer naturellement ce qu'il y a dans ces deux livres, mais sachez que c'est une quête dans les deux cas. Qu'est-ce que l'identité? Qu'est-ce que l'identité? Et vous constatez qu'aujourd'hui, on dit « t'es où ?» Parce qu'il n'y a pas besoin de dire « t'es qui ?» Parce que c'est écrit dessus, « t'es qui ?» Il y a même la photo, donc il n'y a pas besoin de dire « t'es qui ?» Mais je dis « t'es où ?» Mais voyez le changement entre... Quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne dites pas « t'es où ?» Ben d'abord, il est en face de vous, donc ce n'est pas la peine de le dire. Simplement, remplacer la question de « qui es-tu » par la question « où tu es », c'est quand même un grand changement. Par conséquent, il y a toute une réflexion sur la notion d'identité extrêmement intéressante qui ne peut pas être simplement interprétée au sens de dévergondage. Bon, on parle des portables parce qu'on a assez de parler de l'âme et de parler effectivement de la caverne, effectivement de Platon. Donc aujourd'hui, il y a obligation, l'agenda de la pop-philosophie, c'est l'agenda du monde d'aujourd'hui, qui ne peut pas ne pas être effectivement interprété, compris, déconstruit, si on ne s'intéresse pas à ces principaux objets, à ces principaux objets de la culture populaire qui ont été presque tout le temps négligés, le fait de saluer, le fait qu'il y ait des prostituées dans la rue, le fait effectivement d'envoyer un mail, ben, tout ça, ça existe. Et ça a prévenu, c'est arrivé avant qu'on comprenne. Et par conséquent, aujourd'hui, il y a la nécessité de cette compréhension. Nietzsche disait que notre réalité est devenue une fable. Ben, aujourd'hui, il y a une sorte de fable, ou plutôt un mélange entre un monde matériel presque incompréhensible et un monde de fiction, ou un monde qu'on est obligé de restituer. Oui, tout le monde a été frappé lorsqu'il y a eu ces cas de jeunes gens qui avaient battu une fille ou je ne sais pas quoi, et qu'il avait simplement photographié, parce que si on ne l'a pas sur son portable en photo, ça n'existe pas. Et le fait que tout devienne photo, tout devienne image. Et donc la pop-philosophie ne peut pas effectivement ne pas s'intéresser à ces réalités-là, qui paraissent être tout simplement des réalités de la vie quotidienne, mais si on s'intéresse avec un œil précisément philosophique, ben on peut leur donner, non pas une dignité s'il s'agit d'un viol collectif, mais de donner les outils de compréhension effectivement de ce qui se passe. Et j'aimerais bien aussi, mais ça c'est un vœu, que la pop-philosophie s'intéresse aussi aujourd'hui au nouveau discours politique, par exemple. Pourquoi il ne porte plus? Pourquoi il est creux? Pourquoi il est vide? Pourquoi il ne parle plus de la vie des gens? Et ça serait effectivement assez intéressant. La question qui reste, et après je passe la parole à Laurent, sinon moi je parle pendant des heures si on ne m'arrête pas, c'est est-ce que cette pop-philosophie, en s'intéressant au jukebox, au rivage, à la montagne, aux jeans, etc., est-ce qu'elle reste philosophie? Ben moi, je crois qu'il y a un critère, qui encore une fois j'emprunte à Deleuze, qui est un critère inéliminable. La philosophie, ça fabrique des concepts. C'est une usine à fabriquer des concepts. Et on voit bien que quand on est philosophe, qu'est-ce qu'on fait d'autre que travailler sur des concepts que d'autres ont inventés. Des concepts parfois qui paraissent marxiens. Je sais pas, si je dis transcendantal,
tout de suite un spécialiste parmi vous lève la main, mais chez Kant ou chez Husserl, qui ça ne veut pas dire la même chose. Oui, on a besoin effectivement de ces types d'outils pour comprendre un certain nombre de réalités. Et souvent les étudiants, les élèves ne comprennent pas pourquoi on a un langage technique, pas parce que ce n'est pas simple, parce qu'il ne suffit pas effectivement de parler philosophie pour qu'on soit philosophe, de même que vous n'apprenez pas la musique en allant, vous n'apprenez pas à composer la musique, une sonate, en allant à tous les concerts du monde. L'architecture, la musique, la philosophie ont effectivement des outils techniques pour travailler. Et ces outils techniques, ça s'appelle des concepts. Un concept, c'est ce qui est, vous voyez, cum capio, comme ça. C'est ce qui prend en même temps un certain nombre de réalités et qui tout d'un coup vous les fait comprendre. On parlait à midi avec Laurent du concept d'idéologie, vous voyez, qui a été forgé d'abord par Marx et ensuite amélioré par un philosophe sur lequel j'ai écrit quand j'étais petit, qui s'appelle Antonio Gramsci, qui a analysé le concept d'idéologie. Comment les idées, qui sont les idées souvent de la classe dominante, comment elles viennent dans notre esprit ? Mais je vais être plus brutal. Comment un jeune ouvrier, pourquoi je vote Front National ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête ? Qu'est-ce qui a été déposé, effectivement, dans ma tête ? Mais je crois que le concept d'idéologie permet de comprendre ça. Et Gramsci disait, mais l'idéologie, ce n'est pas simplement les grandes idées, le droit, la justice, la philosophie, etc. L'idéologie, ça se trouve dans les cartes de visite, disait-il, dans les noms des rues, dans les textes des chansons. C'est là qu'il y a effectivement de l'idéologie. Dans les journaux, bien évidemment, dans les éditions, dans le choix des noms, dans le choix des prénoms des enfants. Et vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de sociologues étudient et il y a des vagues. On se dit, tiens, pourquoi ils s'appellent tous Lily aujourd'hui, ou je ne sais pas quoi. Alors, avant, personne ne s'appelle, pourquoi plus personne ne s'appelle Mathilde, ou je ne sais pas, peut-être que ça existe encore. Excusez-moi s'il y a des Mathilde, j'ai fait une erreur. Robert, voilà, pourquoi on n'appelle plus personne Robert, et comme ça, je dis personne. Donc, il y a des vagues. Ben, là aussi, il y a de l'idéologie. Et donc, étudier le concept qui permet de guérir de l'idéologie et permet de comprendre au moins, non pas de penser mieux, mais au moins de savoir pourquoi je pense ça sans penser que quelqu'un a voulu que je pense ça. Non pas quelqu'un, une personne en particulier, mais disons l'air du temps. Comment le zeitgeist il s'est déposé dans ma tête pour que je puisse sortir des phrases, dire des idées qui ne viennent pas de moi et que je trouve naturelles. La pire des choses ensuite, c'est que ça devient naturel. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, il y a une idéologie de l'économie, où l'économie, vous voyez, elle est partout. Et pour ne pas vous ennuyer, je vous cite juste un dessin de Sempé. On voit deux paysans, un couple apparemment, qui était là dans une étable, il y avait des bœufs, il y avait des ânes, il y avait des... comment ça s'appelle les trucs de paille, là, les paillailles, je ne sais rien. Enfin bref, et il y avait une petite télé par terre comme ça, et de la télé sortaient les chiffres du 440, des machins comme ça, avec les trucs. Et l'autre lui fait « T'entends Germaine ?» comme ça, alors que c'est une réalité duquel ils étaient totalement exclus, mais pour eux, mais t'entends ce qu'ils disent, que le CAC 40 a baissé, tu te rends compte, alors qu'on s'en fout complètement, ça n'entre pas du tout dans notre vie. Or, l'idéologie économique nous fait accepter un certain nombre de choses. Et je me souviens l'année dernière, enfin quand il y avait Berlusconi en Italie, que le spread de la différence entre les bottes allemands et les bottes italiens était comme ça aux autres, les gens ils parlaient tous comme ça, le spread, un nom qui signifie l'écart, personne ne savait ce que ça voulait dire. Non mais t'as vu, le spread a monté. Si on interrogeait, mais alors ça fait quoi pour toi ? Personne ne savait rien. Mais l'idéologie, c'est pour ça que Habermas a pu dire que l'économie, c'est la théologie de notre temps. La théologie devant laquelle on s'incline, on dit, bah oui, ben, tu te rends compte, le CAC 40 a baissé, qu'est-ce qu'on va faire dans le monde ? Donc, si on arrive à se guérir, et je crois que la philosophie a ce travail-là à faire aussi, à ce travail, effectivement, de construire des concepts. L'idéologie, ce n'était qu'un seul exemple. Si la philosophie réussit à faire des concepts, et après je vais être un peu sévère, si elle ne réussit pas à faire des concepts, ça signifie qu'elle est une sorte de fièvre du samedi soir de la philosophie, et que ça va durer le temps de la fièvre. Enfin, le lundi soir, en gros, on est dessoulé, ça remarche. Si c'est que ça, hélas pour la pauvre philosophie. Si elle n'est justement qu'une sorte de fioriture, de jeunesse, entre guillemets, à donner à la philosophie de dépoussiérage, elle va rater son but, elle n'aura pas d'avenir, je suis désolé Jacques. Mais si elle peut produire des concepts, elle va s'inscrire effectivement dans une tradition qui sera aussi noble que la tradition de la philosophie. Voilà, pour l'instant, on va terminer là. Merci.
Ah, quand même, quand même. Et puis, bon. Alors, au contraire de ce que Jacques Serrano vous a dit tout à l'heure, et au contraire aussi de ce que Robert Maggiori vous a dit en commençant, moi je crois non seulement que la définition de la pop philosophie est quelque chose de possible, mais en plus je crois que c'est quelque chose de souhaitable. Encore faut-il s'entendre bien évidemment sur ce que c'est qu'une définition. Et j'aimerais commencer par là, par le problème, ce premier problème qui est le problème de la définition, avant d'en aborder un second qui est celui du lien entre pop philosophie et capitalisme, et puis j'essaierai de développer quelque chose comme un éclaté d'une définition possible de la pop philosophie, un éclaté qui prendra la forme, disons, de six ébauches, esquisses de thèses, si vous voulez, correspondant à six logiques différentes. Voilà, vous avez même un plan. Donc le premier problème que, de fait, la pop philosophie, si elle existe, doit rencontrer celui de sa définition. Alors, une définition, ça peut être deux choses. Une définition, ça peut être cet ensemble de phrases, ce syntagme que vous trouvez en ouvrant un dictionnaire, et qui est censé vous dire quelque chose de l'ordre de la vérité de la chose à laquelle vous vous confrontez. La définition, c'est la mise à plat, la transformation en carte de quelque chose qui serait de l'ordre de l'être, de l'essence ou de la vérité d'une chose. Bon. Le premier problème est de faire sauter cette idée-là de la définition pour pouvoir produire un régime de définition susceptible de coller à ce que pourrait être la pop philosophie. Le premier moment pour atteindre quelque chose comme le concept de pop philosophie, je crois, est d'adopter une approche de la définition qui ne soit pas une approche en termes de vérité, une approche dans laquelle la définition viserait à coller à quelque chose qui soit du domaine de l'être, mais bien plutôt une définition qui serait comme une ouverture ou comme un guide, quelque chose qui serait comme un dispositif, si vous voulez, GPS, qui vous permettrait ensuite de vous orienter en prenant à gauche, à droite, etc., puis en suivant une série de trajectoires, suivant une série de virages qui, à la fin, vous permettront d'aboutir quelque part, hein, quelque part où, qui sera sans doute très très différent de votre point de départ, mais où la trajectoire, le trajet, vous aura présenté une expérience que vous pourrez ensuite qualifier au nom de pop philosophie. Donc première chose, je crois, lorsqu'on parle de définition de la pop philosophie, oubliez l'idée que la définition donnera la vérité. Voilà. La définition ouvre des possibilités qu'ensuite on a à saisir, mais elle ne vient pas la fermer, ou en tout cas s'il y a à fermer. Bien. C'est une définition très ennuyeuse, c'est une définition dictionnaire, c'est une définition qu'on n'a qu'à apprendre par cœur, et on a l'objet que l'on souhaitait voir définir. C'est une difficulté qu'il faut garder à l'esprit. Deuxième difficulté qu'il faut garder à l'esprit, qui est beaucoup plus matérielle lorsqu'on parle de pop philosophie, c'est effectivement cette idée que la pop philosophie est ce mouvement de pensée, ou cet ensemble de pratiques de pensée, qui se tournerait en direction du monde, là où la philosophie l'aurait peut-être oublié, Robert Maggiori vient de dire que c'est une illusion, il a tout à fait raison. Mais enfin, c'est cette démarche qui nous tournerait vers le monde dans ce qu'il a de plus trivial, de plus quotidien, de plus matériel, c'est-à-dire, si vous voulez, ce qui est de l'ordre de la commodification, les objets que l'on voit dans le monde, la philosophie du téléphone portable, la philosophie du ballon de foot, la philosophie, la métaphysique de la putain, etc. Toute une série de domaines dans lesquels la question de l'argent, la question du capital, la question de l'échange se trouve immédiatement embarquée. Et quand on parle de pop philosophie, il y a très souvent une réaction un peu hostile, Robert Maggiori rappelait la sienne au début, une réaction hostile qui a en général un lien avec cette idée-là. C'est l'idée que vous intéressez à des trucs qui vraiment c'est de la saloperie, quoi. C'est ce contre quoi on essaie de se battre pour vivre un petit peu, c'est ce contre quoi voilà, on essaie de définir quelque chose comme une politique, voilà, qui serait une politique désasservie des grands agents du capitalisme industriel mondialisé. Avec comme corollaire, bien sûr, l'idée que quand on s'intéresse à la pop philosophie, on est soi-même partie prenante de cette logique-là, et le type d'objets qu'on produit, qui sont aussi des objets commerciaux, qui sont des livres, sont des objets qui appartiennent aussi à cette logique, et donc des objets qui prétendent tenter de pouvoir capter en eux-mêmes le succès ou la puissance capitaliste des objets dont ils parlent. Vous faites un livre sur le GPS, vous faites un livre sur le téléphone portable, eh bien, il y a souvent cette idée que ce livre se vendra aussi bien qu'un GPS ou qu'un téléphone portable. Alors ça, en tant qu'éditeur, effectivement, j'aimerais juste dire, pour évacuer ce second problème, que c'est pas du tout
tout le cas. N'en déplaise à certains. Et qu'aujourd'hui, si vous voulez vraiment gagner de l'argent, quand vous écrivez des livres pour décrire toutes les beautés possibles de la vie, comment se réconcilier avec vous-même, pourquoi vos enfants sont surdoués, pourquoi vous êtes sans doute vous-même, pourquoi vos grands-parents sont surdoués, pourquoi tout le monde est surdoué, etc. Là, je vous assure, ça marche très 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 bien. Et il est triste ou il est joyeux, je ne sais pas, qu'aujourd'hui, en librairie, les départements de sciences humaines qui contiennent les livres de philosophie qui sont si chers à Robert Maggiori sont des départements qui survivent grâce au fait que des camions entiers d'éloges de la simplicité et les surdoués pour les nuls voilà, se vendent à la base. Ils sont classés dans le même rayon. Hein, pour aujourd'hui, développement personnel et philosophie appartiennent au même rayon en librairie. Bon. Donc j'aimerais évacuer aussi ce second problème-là. Première histoire, la définition, déplaçons l'idée de définition. Second petit problème que j'aimerais évacuer, c'est ce problème du lien avec le commerce ou avec le capitalisme, avec l'idée un peu warholienne, voilà, que au fond la pop philosophie, ce serait l'étape du business art dont parle Warhol, business art that comes after art, l'art du pognon, l'art du fric, l'art du business, l'art des affaires ou l'affaire de l'art, je ne sais pas très bien, qui viendrait après l'art lui-même. Voilà. Alors, une fois ceci dit, j'aimerais tenter donc d'approcher une définition sur le mode que je vous ai dit, hein, de ce que pourrait être éventuellement dans un monde quelconque, disons le nôtre, la pop-philosophie. Je crois que le premier aspect de cette définition, la première logique qui sous-tendrait cette définition serait bien sûr une logique des objets. J'en ai déjà dit quelques mots, Robert Maggiori en a parlé. Logique des objets qui, comme vous le savez, se trouve très souvent structurée dans ce fameux débat entre la haute et la basse culture, donc les objets dignes et les objets indignes. Il y aurait d'un côté les objets qui seraient les objets naturels de la pensée, ou les objets naturels de la philosophie, le temps, l'être, l'âme, l'esprit, le corps, etc., etc. Et puis de l'autre côté, il y aurait une série d'objets qui seraient les objets indignes, je ne sais pas moi, effectivement, telle chanson, les animaux domestiques, etc., etc., etc. Et donc il y aurait une espèce de différence de niveau entre ce qui serait la pagotille, ce qui serait l'essentiel finalement, ce qui serait de l'ordre de l'accessoire, ce qui serait de l'ordre de l'essentiel. Le réflexe que l'on pourrait avoir, c'est de dire, mais au fond, si on n'est pas d'accord avec la manière dont se trouve structurée la question du partage des objets en haut et bas, le premier réflexe serait de dire, non, c'est pas vrai du tout, au fond c'est trompé, et c'est pas tellement le temps, c'est pas tellement le corps, c'est pas tellement l'âme qui sont que les abstractions, qui sont les choses premières, mais c'est plutôt la pacotille. C'est dans la pacotille que se retrouvera le réel du monde. Ça, pour moi, ce réflexe-là, ce premier réflexe, n'est qu'une manière de rejouer la distinction telle qu'elle existe. La question n'est pas de mettre de l'ordre dans le monde en disant il y a pacotille d'un côté, il y a l'essentiel de l'autre, on va préférer la pacotille un jour, on va préférer l'essentiel l'autre jour, et puis vice-versa, le week-end, etc., etc., etc. Il s'agit d'établir à l'intérieur des objets, à l'intérieur du monde des objets, quelque chose qui est de l'ordre d'une continuité. Le véritable geste de pensée, qui pourrait être un geste absolument tolérant vis-à-vis des êtres, et non pas un geste qui tenterait de constituer dans le domaine des êtres acceptables à la pensée, des exceptions, ce serait effectivement un geste de continuité dans lequel la pacotille est l'essentiel, dans lequel la Ice Watch et le Hinterfeldsein de Heidegger peuvent se distribuer l'un à l'autre, ou en tout cas peuvent dialoguer l'un à l'autre, peuvent se connecter l'un à l'autre, et dans lequel en tout cas la question de la dignité de l'un et de l'autre devient une question annulée. Si vous voulez. Il s'agit d'annuler la question de la dignité des êtres pour admettre que l'ensemble des êtres pensables et possibles soit intégré au domaine de la pensée. Première logique, si vous voulez, qui serait une logique que je qualifierais de pop philosophique, et qui est une logique qui rejoint un petit peu la pensée de certains penseurs contemporains que l'on a réunis sous l'étiquette un petit peu facile de réalisme spéculatif et dont le grand représentant français est Quentin Meillassou avec Tristan Garcia, et puis c'est un mouvement qui est très très effectif aux États-Unis, Yann Bogost, Graham Harman, Yann Hamilton Grant, Trey Brassier, etc., suivi toute une série de galaxies d'autres qui tentent de penser l'être sans exception. Car si vous réfléchissez à l'histoire de la philosophie, la philosophie s'est toujours construite sur l'exception. C'est toujours construite sur le fait qu'il y avait une catégorie au moins d'êtres qui se trouvaient exclus de la dignité de l'être. Il y a toujours l'illusion pour faire front à la vérité. Il y a toujours le non-être pour faire front à l'être, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y a une série de philosophes aujourd'hui, des métaphysiciens de hardcore, qui essaient de penser de manière très technique, philosophique,
la possibilité de cette inclusion totale des êtres, une inclusion sans exception, ce qui est une entreprise d'une difficulté absolument inouïe. La pop-philosophie, à sa manière, dans ses petites enquêtes, peut, je crois, contribuer à l'implémentation de cette logique des objets. Deuxième distinction, après la distinction entre haute et basse culture, ou objet digne, objet indigne, ce serait la question du temps. Ou la question de la temporalité, plutôt plus que la question du temps. La question de la temporalité de ce que serait la pop-philosophie. Là aussi, on a une distinction qui est une distinction massive, et un petit peu embarrassante tout de même, qui sera la distinction entre ce qui est contemporain, ce qui est d'aujourd'hui, et qui donc par essence est transitoire, ce qui est toujours contemporain, ce qui était contemporain du XVIIIe siècle, le contemporain du XVIIIe siècle a disparu, ce n'est plus notre contemporain, etc. Donc le contemporain en tant que perpétuellement transitoire d'un côté, et puis ce qui serait de l'ordre de l'éternité de l'autre. Et là aussi, on a une espèce de clivage dans lequel ce qui peut avoir accès à l'éternité, ce qui constitue l'image concrète de l'éternité, a ou posséderait une valeur qui serait une valeur supérieure à ce qui serait seulement de l'ordre du transitoire, du passager, le maquillage qui tombe sous la douche, enfin bon. Cette question de la contemporanéité et de l'éternité, je crois que la philosophie arrive pour poser la question de savoir si, là aussi, c'est pas de nouveau une fausse question. Et si la contemporanéité n'a pas toujours été le lieu même de l'éternité? C'est ça la question que la philosophie pose à travers l'unité de soleil ou le conditionnement des bouteilles en plastique. C'est la question de savoir si dans ces choses qui sont transitoires ne se passe pas quelque chose qui est de l'ordre de l'éternel et vice-versa. Si l'éternel ne se donne pas toujours sur le mode de transitoire, ce qui est une intuition un petit peu hegélienne, si vous voulez. C'est l'idée que la singularité, le local, etc. est le lieu même de l'univers. Donc ce serait une seconde logique qui serait propre, à mon avis, à une certaine forme ou à la manière dont je conçois, j'ai tendance à concevoir la pop philosophie, ce serait celle de la co-distribution de l'éternité et du contemporain, la possibilité que l'on puisse parler des choses les plus en apparence éternelles à partir des choses les plus singulières. Si je peux me permettre de prendre l'exemple de ce que je vous dirai jeudi, si je me suis intéressé, pour toutes sortes de raisons, je vous en dirai certaines, en ce compris biographique jeudi, venez, vous allez apprendre des histoires, Faustien. Les putains sont des femmes, des hommes, des transsexuels qui nous disent quelque chose de la vérité, et de la vérité au sens le plus fort du mot vérité. C'est pour ça qu'on peut parler de métaphysique quand il s'agit de putains, quand il s'agit de rencontrer les putains. Donc seconde logique, une logique de la co-distribution de la contemporanéité et de l'éternité. Alors troisième logique qui est tout à fait corollaire à celle que je viens de décrire entre contemporanéité et éternité, c'est la logique de la singularité, la logique des cas, si vous voulez, la logique de la singularité et de l'universalité. Comme je viens de vous le dire, et là je vais aller très très vite là-dessus, nous avons tendance à considérer, à penser par thème, voilà, à penser par généralité. Voilà, on parle par exemple des drogues, le problème des drogues, on parle du problème de la prostitution, on parle du problème de la violence, du problème de l'insécurité. On a tendance à penser, si vous voulez, par grandes catégories qui visent à englober un ensemble, c'est plus ou moins légitime, un ensemble de réalités, un ensemble de phénomènes à l'intérieur d'un nom, à l'intérieur d'une étiquette qui les rend facilement maniables, qui les rend ensuite analysables les uns à venir. Et on oppose à ces thèmes leurs illustrations, la manière dont les thèmes sont incarnés, trouvent un corps, lui aussi, est transitoire et contemporain, trouvent un corps. Pour l'illustrer. Alors cette distinction entre l'universalité du thème qui serait illustrée ensuite par des singularités qui sont des singularités qui sont toujours passagères, c'est quelque chose contre lequel je pense Deleuze là aussi nous a relativement bien averti. Il nous a dit plutôt de réfléchir de manière molaire, plutôt de réfléchir de manière en partant de ces gros thèmes qui finalement sont tellement gros qu'ils ne contiennent rien, ils sont gros comme des dents creuses, disait Deleuze à propos des nouveaux philosophes. Vous savez, des philosophes qui, au début des années 1980, ont débarqué en disant « mais c'est fini la révolution, les enfants, c'est fini le communisme, c'est fini le totalisme, c'est maintenant ce qu'il faut voir, ce contre quoi il faut lutter, c'est le phénomène totalitaire ». Le totalitarisme, c'est
l'exemple même du thème dans toute sa massivité, qui nous empêche de voir la manière dont se ramifient à l'intérieur d'un dispositif politique les liens d'obligation, les liens de police, les liens de violence, les liens d'armée, les liens militaires, les liens logistiques, les liens de nourriture, qui forment l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler un régime politique. Bon, totalitarisme thème, la logistique des camions de l'armée russe, là vous avez autre chose qu'un thème, vous avez un objet. Et donc on retrouve, d'une certaine manière, l'objet dont je vous parlais, au début, objet qui devient toujours un cas pour la pensée. Plutôt que le thème comme horizon de la pensée, vous avez l'objet comme cas, comme ce qui suscite nécessairement par son irruption dans le monde et par sa présence, par le fait qu'il s'impose à vous, qui suscite ensuite que vous le pensiez, qui suscite ensuite que cette pensée, disons, suive ce que cet objet vous impose. Le téléphone, parce que vous avez à domestiquer le nouveau logiciel smartphone, machin, du, quand vous êtes passé, si certains d'entre vous ont évidemment fait cette expérience, vous êtes passé des anciens téléphones portables à touche au smartphone qui requérait une autre forme de toucher, vous avez réappris d'une certaine manière à téléphoner. Vous avez réappris à non seulement à téléphoner, vous avez réappris à surfer, vous avez appris toute une série de choses, vous l'avez réappris dans votre corps. C'est cet objet-là qui déplace votre rapport au corps, votre rapport que le corps a à la communication écrite. Bon. Ce n'est pas un thème général, ce n'est pas la communication qui change, c'est l'objet qui vous impose cette transformation. C'est l'objet, si vous voulez, c'est l'objet qui est premier. Donc troisième logique, après la logique de la culture, logique des objets, autre basse culture, logique du temps, contemporanéité et éternité, cette logique du cas, singularité et universalité. Alors la troisième, pour changer un petit peu de registre, troisième logique, je crois, qui est intéressante à pointer, que la pop philosophie, du moins dans l'approche qu'on avait tentée Deleuze dans Dialogue, dans cette espèce de quelques phrases énigmatiques qu'il va consacrer à la pop philosophie, la question suivante serait la question des intensités. Il sait que, pour Deleuze, était pop philosophique ou était considéré comme pop philosophique, non pas certains objets par rapport à d'autres, non pas certaines périodes par rapport à d'autres, mais le fait que certains objets ou certaines périodes produisent chez ceux qui les pensent un type d'énergie ou un type d'intensité tel que celui que l'on peut, c'est la comparaison qu'utilise Deleuze, que l'on peut vivre lorsque l'on va à un concert, en l'occurrence c'était un concert rock. Voilà. L'idée, c'est que cette énergie-là qui s'adresse à votre cerveau comme s'il était un corps, et votre cerveau est un corps, produise quelque chose qui est de l'ordre de l'excitation, et l'excitation est intensive, l'excitation qui ensuite vous force à penser, vous force à agir en fonction de cette pensée. Donc, il y a un processus d'électrification générale, si vous voulez, que l'approche pop-philosophique à la pensée tenterait d'introduire dans le monde. Alors cette intensification, cette électrification physique, pensée avec votre corps se met à réagir à la pensée, le concept vous excite quelque part. Cette idée d'intensité est, je crois, quelque chose qui porte à des conséquences relativement importantes dans le lien que la pop-philosophie entretient avec la philosophie. La philosophie a toujours pratiqué des régimes intensifs. Hein, ce n'est pas Robert Majori qui va contredire. Évidemment, elle a toujours pratiqué des régimes intensifs, elle a toujours pratiqué l'intensification, et lire un grand philosophe, elle a toujours été un phénomène d'excitation parce que subitement on avait l'impression de voir un petit peu plus clair dans le monde en même temps que de comprendre quelque chose, et quelque chose qui n'était pas très évident, c'est satisfaction de le comprendre malgré tout. Alors certes, mais ce n'était pas là son programme. C'était, si vous voulez, une conséquence bienvenue, mais ce n'est pas quelque chose que la philosophie recherchait, au contraire. On peut même dire qu'il y a des philosophes qui ont soigneusement construit des processus de contre-intensification, d'anti-intensité, des processus dans lesquels les intensités de pensée sont réduites au minimum. Dire Kant, franchement, toujours, faut quand même se fader, quoi. C'est magnifique, mais ce n'est pas son but, ce n'est pas son objet, et la question pour la philosophie comme discipline, avec son histoire prestigieuse et riche, c'est pas ça qu'elle recherche. Voilà, c'est pas ça qui l'intéresse, et ce n'est pas ça son mode opératoire. Elle ne réclame pas l'intensification, elle ne réclame pas l'électrification, elle ne réclame pas l'excitation pour pouvoir fonctionner. Hein, comme condition nécessaire à son mode de fonctionnement. Et c'est pour ça que j'ai tendance à penser que le mot pop-philosophie est un peu foireux, en fait.
Parce que ce à quoi nous ouvre la pop-philosophie, c'est un au-delà de la philosophie, ou à quelque chose qui soit latéral à la philosophie, ou en tout cas un régime de pensée qui est un régime qui puisse excéder la philosophie, qui idéalement devrait pouvoir se transporter et s'importer dans toute une série, voire dans toutes les pratiques possibles. Il faudrait qu'il y ait du post-art, de la pop-art, de la pop-art, oui, ça existait malheureusement, mais c'est une forme voilà, très singulière, mais il faudrait avoir des pop, virgule, enfin, astérix, non, même pas. Guillemets. Non, apostrophe. Mais non, apostrophe, voilà, merci, pop, apostrophe, parce que pop philosophie s'écrit chez Deleuze, en tout cas, c'est pop, apostrophe philosophie. Donc, pop, apostrophe, art, voilà. Mais certainement de la pop sociologie, de la pop anthropologie, de la pop psychanalyse, de la pop critique de cinéma, etc., 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 etc. Ce régime d'intensification comme quelque chose qui n'est pas propre à la philosophie et qui peut être exporté sans que la discipline soit quelque chose d'important. Si vous voulez, la pop philosophie est aussi, si on accepte ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose de viral. C'est quelque chose qui a pour vocation à s'introduire dans toutes les disciplines et en se foutant des frontières qui entrent entre elles, et peut-être même en les brouillant, en pratiquant des espèces d'hybrides très étranges, des hybrides un peu pirates entre disciplines, mais qui seraient, comment dirais-je, qui n'auraient pas besoin d'être jugées en fonction de leur adhésion à ces disciplines, mais plutôt en fonction de cette rencontre, ce bricolage serait susceptible de produire. Et alors ça c'est mon point suivant, ce serait, après une logique, disons des intensités, ce serait la logique des conséquences. Les intensités nous conduisent aux conséquences. Traditionnellement, quand l'on pense sous le registre du thème, par exemple, plutôt que de penser sous le registre de l'objet, se pose toujours la question du pourquoi. Se pose toujours la question des causes. Et on se pose toujours la question des origines. Pourquoi et d'où ça vient, etc., etc., etc. Si l'on suit Deleuze encore, et si l'on suit ce que je suis en train d'essayer de vous dire ici, la question des causes, ma foi, les origines, une fois qu'on les a élucidées, c'est très intéressant de les élucider, c'est sûrement très intéressant de les élucider, on n'a pas avancé beaucoup. En tout cas, ça n'a pas changé grand-chose. Si vous voulez. Pour que ça change quelque chose, c'est le prochain moment qui importe. C'est plus le moment des causes, c'est le moment des conséquences. C'est le moment des lignes que peut traduire, que peut produire la pensée que l'objet que vous rencontrez suscite chez vous. Quelles conséquences cela va-t-il produire? Et ensuite, comment allez-vous prendre en charge ces conséquences? Alors, une conséquence n'est jamais une fois. Ok, vous pensez ça, ça produit tel type de pensée, vous rencontrez putain, il se passe quelque chose, ça produit quelque chose chez vous, ce quelque chose vous conduit à envisager peut-être une manière un petit peu différente de concevoir la vérité, soit. Mais ensuite, quoi d'autre? C'est ça qui est intéressant avec les conséquences. Les conséquences ne sont jamais une. Une fois que vous rentrez dans le chemin des conséquences, les conséquences se poursuivent. La conséquence en appelle d'autres, qui en appelle d'autres, qui en appelle d'autres. Et la question devient celle de construire la robustesse des enchaînements entre les conséquences, plutôt que de remonter à remonter, si vous voulez, remonter ou redescendre dans les racines solides du phénomène, de l'objet que vous étudiez. Vous construisez des conséquences et l'objet vous emmène. L'objet est ce qui vous permet de constituer ces conséquences, de constituer des conséquences qui sont des conséquences robustes, comme dans une espèce de... Comme si vous voulez, quand vous... Enfin, c'est un peu comme quand on joue au billard, ou quand on joue un billard à bande. Vous pensez en fonction de... Les coups sont jamais... C'est jamais juste taper dans la balle. Une fois que vous avez tapé dans la balle, vous réfléchissez à la direction que la bille peut prendre, etc. Et cette direction produit ensuite, dans la configuration du jeu, des conséquences qui sont des conséquences pour vous, pour votre prochain coup, pour vos prochains coups, et qui sont aussi des conséquences du reste pour les autres qui doivent tenir compte ou apprendre à tenir compte de cette nouvelle donnée que vous avez introduite en déplaçant la bille, en produisant une première conséquence du coup que vous avez donnée sans que vous ayez réfléchi évidemment sur les causes, qu'elles soient motrices, qu'elles soient autres, du coup que vous avez donnée. Donc il y a une espèce, si vous voulez, dans la logique des conséquences, il y a une espèce d'idée comme ça, une espèce d'idée de billard qui devrait en effet, qui devrait inclure la possibilité, comme le disait très bien Robert, de construire des concepts, de trouver des noms qui peuvent décrire les étapes transitoires de ces rebonds, ou le moment transitoire des conséquences là où elles s'arrêtent, ou de telle articulation qu'une conséquence a avec sa suite, etc. etc. C'est une conséquence possible, la création de concepts. Une autre conséquence possible, évidemment, est une autre conséquence possible qui fait, à mon avis, partie du projet de la philosophie, précisément ce qu'elle se distingue de cette possibilité d'être simplement chantre du capitalisme des objets, c'est la possibilité d'un,
d'une radicalité, d'un type de radicalité politique qui précisément ne pense pas, ne penserait pas par thème, ne penserait pas par universalité, ne penserait pas sous la guise de l'éternité, ne penserait pas sous la guise de la hauteur, etc., etc. Donc en somme, et ce serait le dernier point qui résumerait peut-être ce que je suis en train de vous raconter ici, je crois que la logique philosophique, ou ce à quoi nous introduit la philosophie, est quelque chose de l'ordre d'une logique de la faiblesse, d'une logique débile, au sens étymologique du terme, au sens de qu'en a donné un penseur qui est cher, je crois, à Robert Gianibattimo, qui avait publié au début des années 80 une anthologie qui s'appelait comme ça « La pensée débile ». Débile, c'est quoi ? C'est débile, en italien, c'est la pensée faible. Oui, en italien, c'est la pensée faible. Voilà. Et ce qui est intéressant dans le mot débile, c'est pas tellement le fait que ça fait référence à un état de... ça ferait référence à un état de crétinerie mentale, par exemple. Non, la débilité, c'est la débilité du corps. Un corps débile, c'est un corps qui doit réinventer à chaque pas les moyens qui lui permettent de faire ce pas. C'est un corps qui pense par cas, si vous voulez, ou plutôt qui fonctionne par cas, qui fonctionne sous la contrainte de cette espèce de faiblesse qui l'oblige à poser un pas, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et donc cette logique de la faiblesse, lorsque l'on va à la rencontre des objets du monde, quand ces objets sont des objets qui en apparence sont des objets vendus, qui en apparence sont des objets strictement contemporains, qui en apparence sont des objets de basse culture, de culture populaire, etc., etc. Je pense que cette logique de la faiblesse pourrait être formulée de manière même plus radicale sous la forme d'une logique masochiste. Je pense que ce dont nous avons besoin, c'est un masochisme de la pensée par rapport aux objets. C'est-à-dire, nous avons à apprendre à nous mettre en dessous des objets pour que les objets puissent nous entraîner à ces conséquences qu'ils sont susceptibles de produire avec notre concours. Le problème de l'universalité, le problème de sa distinction avec la singularité, le problème de la distinction entre haute et basse culture, le problème de la distinction entre contemporanéité et éternité, c'est qu'on est chaque fois les plus forts. Quand on rencontre un objet, on arrive, on écrase l'objet sous ces catégories qu'on a hérité de l'histoire de la pensée, de l'histoire de la philosophie. Et puis voilà, et puis on est tout à fait surpris que ces catégories ne soient pas transformées par la rencontre avec l'objet. Et de fait, une image, tout le monde dit que nous sommes victimes des images, que nous vivons dans une civilisation d'images, dans laquelle nous sommes tous réduits à la passivité, etc., etc., etc. Rien que dire cela, c'est déjà accomplir un acte de force inouï par rapport à ces images, c'est les annuler. Et les images ne résistent pas, elles n'ont pas les moyens de résister. Quand on dit, si on dit les images sont nulles, les images n'ont pas les moyens de résister à cette proclamation de nullité. Même chose pour les objets, même chose pour tout ce dont on a parlé tout à l'heure, tout ce dont Robert a parlé tout à l'heure, tous ces exemples qu'il a donnés sont des exemples qui peuvent être absolument ruinés. Si l'on n'accepte pas de suivre, disons, les pistes qui pourraient nous ouvrir, pistes qui nous permettraient éventuellement de sortir de la philosophie comme discipline et de transmettre l'énergie ou l'électricité d'un régime de pensée intensif partout où ce régime pourrait produire des conséquences intéressantes. Voilà, tout ça est un petit peu abstrait, mais les définitions sont toujours abstraites. Mais c'est, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous suggérer, ou de proposer comme élément un petit peu éclaté, non conclusif, comme une intuition qui, moi, me pousse, qui me fait travailler, et qui fait que je crois que non seulement la philosophie existe, voilà, mais en plus que, comme je vous l'avais dit en ouverture, elle est définissable. Voilà, je vous remercie. J'ai pas tellement envie parce que Laurent a dit une chose à la fin qui m'a beaucoup touché par rapport à la faiblesse. Nous sommes, vous voyez, à une période où il y a tellement d'éloges de la force que valoriser la faiblesse, la débilité, c'est quand même quelque chose de révolutionnaire. Et dire que la faiblesse est plus forte que la force. Autrement dit, la force, oui, la force, elle en impose. Et la force, elle crée la solitude. La faiblesse, non. La faiblesse crée la créativité, comme il le disait très bien, invite à chaque fois à inventer un geste nouveau pour que je me casse pas la gueule si j'ai des problèmes de marche. Celui qui marche comme un général des carabiniers, il marche comme ça, et même il court, parfois les carabiniers italiens. Mais celui qui a du mal
Mais il doit savoir où il met ses pieds. Et c'est ça qui est humain. C'est pour ça que ça m'a fait penser à ce que disait Adorno. Et je voudrais que les plus jeunes d'entre vous le retiennent quand même. Il disait, aimer, c'est ne pas susciter la force de l'autre quand on manifeste sa faiblesse. Et je peux me montrer faible devant l'autre si je suis devant un joueur de poker, un gangster, le mec immédiatement, il me coince, ou un joueur d'échecs. Mais si je suis devant l'être que j'aime, manifester ma faiblesse ne suscite pas sa force. Suscite au contraire ce qu'on appelle la tendresse. Donc là-dessus, j'ai rien à dire. On s'engueule. Juré, on s'engueule pas. Mais il y a quand même un certain nombre de choses sur lesquelles je voudrais revenir. Et qui pourraient prétexter à une querelle au sens de la dispute médiévale en tout honneur. D'abord, quand tu parles de l'arborescence, je prends en vrac dans ce qui me tient à l'esprit. J'adore cette idée d'arborescence qui est très deleuzienne aussi. Mais attention, quand tu coupes les racines, il n'y a plus d'arborescence possible. Donc moi, je serais plutôt pour citer, par rapport à ta logique des conséquences, pour citer Maïmonide, qui prend des références au hasard, qui disait « Tu ne saurais où aller si tu ne savais d'où tu viens ». Moi qui suis un généalogiste et que j'adore le grec et le latin, j'ai été formé là-dessus, oublier l'origine me semble être un crime. Me semble un crime dans tous les points de vue, je veux dire, au niveau aussi, on parlait hier aussi dans un autre registre de ce qu'est la transmission. Et je ne peux pas transmettre si je ne rappelle pas ce qui est destiné à mourir et que par le fait que je le rappelle ne meurt pas. Sinon, il n'y a pas, sinon entre chaque génération, il y aurait des hiatus. On ne pourrait plus rien, effectivement, transmettre. Et donc, cette idée, les lignes qui se dessinent, tu ne peux pas faire, effectivement, une ligne si tu n'as pas le point antérieur. Sinon, il faut deux points pour faire une ligne, sinon tu n'arriveras pas. Donc, il faut que vous arrangiez, les pauvres philosophes, pour réintégrer cette idée, effectivement, d'antécédence par rapport à la conséquence. Et qu'on ne peut pas, effectivement, couper les racines d'un arbre. Et l'autre question, ce serait sur les objets. Là, c'est une vraie question, c'est pas du tout polémique, Laurent, je t'assure que c'est une question. C'est pas vrai. C'est... Vas-y, balance. Je vais te balancer. Moi, je ne supporte pas quand on dit que tous les objets sont également dignes. Même si tu parles des objets au sens philosophique, pas le stylo et le verre, mais puisque tu parles de tous les objets, il y a aussi le stylo et le verre. Et ça m'énerve autant que quand certains philosophes de nos amis, Jacques, qui parlent des animaux, les animaux sont tous dignes. Bon, moi je veux bien qu'ils soient tous dignes. Sauf que le cafard qui me tombe sur le nez quand je dors, il est pas digne. J'ai envie de l'écrabouiller, moi. Parce que je suis pas bouddhiste, peut-être. Et que quand ils parlent de l'intelligence animale, moi j'admire que les gens qui parlent de l'intelligence des singes, le type qui rentre dans le labo et il doit cacher une balle, les singes y regardent, mais il y en a un qui est méchant et l'autre qui est gentil, il remercie le singe. Et au bout de 3-4 fois, le singe, non seulement il indique au gentil où se trouve la balle cachée, mais il indique au méchant où la direction opposée à la balle. Donc on parle de l'intelligence animale. Mais si on parlait de tous les animaux, ben allons jusqu'au bout alors, allons jusqu'au ver de terre, jusqu'au moustique, au phasme, pour voir s'il y a aussi cette même chose. Et là, je te fais le reproche sur les objets. Je crois qu'il faut vous risquer, oui, je me mets dehors cette fois-ci, vous risquez d'aboutir à une objectologie qui, effectivement, va devenir une technique et ne ce sera plus de la philosophie. Les objets, il y a certains objets, et moi, je te propose, après, tu m'envoies balader, mais il y a des objets qui te touchent et des objets qui ne te touchent pas. Autrement dit, il y a des objets que tu manipules, c'est ce qu'on appelle l'objet technique, et les objets qui te touchent. Quand tu parles du téléphone portable, pourquoi le téléphone portable, tu ne fais pas que le manipuler, comme maintenant, au lieu de m'écouter, tu ne fais pas que le manipuler, parce que ton téléphone, il te touche, parce que c'est une partie de ta vie maintenant. Il y a les photos de tes amis, de tes amants, de tes amants, ce que tu veux, il y a des souvenirs, et des choses comme ça. Et la preuve, quand tu le perds, je dis tu le perds, donc hier c'est moi qui l'ai perdu, j'étais paniqué totalement, tu vois bien que tu perds pas un objet, tu perds une chose qui te touche. Au sens du toucher, du véritable toucher, mais pas simplement épidermique, qui te bouleverse dedans. Il y a des objets qui se réduisent à leur utilité technique. Jean Kelevitch, je le cite toujours parce que c'est mon amour de pensée, c'est lui qui m'a forgé, il disait, on demande toujours à la philosophie, qu'est-ce que la philosophie? À quoi ça sert la philosophie? Quel est le prof de philosophie qui n'a pas entendu parler, qui n'a pas eu cette question, à quoi ça sert la philosophie?
eh bien, il faut qu'on se fâche et qu'on leur dise « ferme ta gueule, tu ne poses pas cette question-là parce que ce n'est pas une question pour la philosophie. » Jean Cayeux disait « c'est une question pour l'ouvre-boîte. » Voilà. L'ouvre-boîte, on peut lui poser la question « à quoi tu sers, ouvre-boîte ?» Et l'ouvre-boîte, il répond « moi, je sers à ouvrir les boîtes. » Mais une fois qu'il a dit ça, c'est fini l'ouvre-boîte. Il ne me touche pas cet objet-là. Sauf s'il a une couleur particulière, sauf s'il m'a été offert par mon ami. Dans ce cas-là, ce qui te touche, c'est le fait qu'il ait été offert, non pas qu'il ouvre la boîte de concentré de tomates. Donc, il y a des objets qui se réduisent à leur utilité technique. Ces objets-là ne font pas l'objet de la pop philosophie, ni de la philosophie. Ce sont des objets qui ont une réduction technique. Point à la vie. Tu peux les étudier du point de vue technique, de l'acier, du caoutchouc qu'on a mis autour, pour voir si ça coupe, et voilà. Et ça se résout. Parce que sinon, l'entreprise de la philosophie devient océanique. Et on ne peut plus parler de philosophie, parce que ça voudrait dire parler de tout et de n'importe quoi. On peut parler, par exemple, est-ce que le gras, le sale, c'est un objet ? Je cite exprès, puisque Françoise connaît mieux que moi, Françoise Gaillard, un philosophe, un épistémologue français, François Dagonien, qui est un grand savant, un médecin, etc., et qui a fait un jour un livre, alors qu'il avait étudié déjà les surfaces des mers, les lignes, etc. Un jour, il publie un livre sur le sale, le gras. Et les premières pages, c'est le chiffon sale, celui avec lequel on s'est nettoyé les mains quand on a enlevé l'eau. On a enlevé le pneu qu'on a crevé, etc. Le sale. Et il fait une analyse extraordinaire, parce que le sale nous touche. Et on sait bien, quand on ne s'est pas lavé pendant 2-3 jours ou qu'on n'a pas de shampoing, ou que on se sent, la saleté me touche à l'intérieur. Parce que ça devait, et c'est pour ça qu'effectivement, on peut dire de quelqu'un, t'es un sale type. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas lavé. Ça veut dire qu'il a une saleté autre. C'est pour ça que le sale n'est pas un objet qui ne, comme l'ouvre-boîte. C'est un objet qui me touche. Et Dagonier disait, analyser le sale, c'est très utile. Si j'analyse n'importe laquelle de vos chaussures, la semelle des chaussures extérieures, ben je peux savoir qui vous êtes, où vous êtes allé, à quelle heure, quel type de sable vous avez derrière, vous avez marché sur quoi. Et en faisant des études géologiques, etc., on arrive à savoir à peu près qui vous êtes. C'est utile, ça a aucune utilité, mais ça peut se faire. Et les policiers parfois le font, évidemment, pour savoir s'il était marché dans cette boue, sur ce terrain-là, où il y avait effectivement un truc qui n'existe que dans ce pays-là. Donc il y a des objets qui nous touchent et des objets qui ne nous touchent pas. Donc il faudrait faire un partage entre les deux. C'est-à-dire ne pas faire croire que la pop philosophie se propose devant elle le monde des objets dans sa globalité, parce que ça voudra dire que vous faites la théorie de l'océan, quoi, des océans, ce sera ou des étoiles, plus exactement, des constellations. Voilà, c'était une suggestion, là, c'est pas polémique, c'est déjà. Merci, Robert. C'est pas gentil. Je pense que tu as tout à fait raison. Bien sûr. Il y a juste 2-3 petites remarques que j'aimerais faire. Premièrement, une remarque, technique. Le souci qu'elle tient, et la distinction que tu fais, qui est une distinction très belle et très vraie entre les objets qui touchent et les objets qui ne touchent pas, introduit de fait à quelque chose qui est de l'ordre d'une phénoménologie des affects dans notre relation d'objets. De l'électricité aussi. Et qui va très très profond, qui engage très profondément l'être de ceux qui sont touchés par ce par quoi ils sont touchés. Ça, c'est tout à fait certain. Et donc, le fait qu'il y ait une différence très nette entre des objets qui nous sont absolument indifférents, ou bien qui ne nous touchent que de manière périphérique, et puis d'autres qui nous touchent de manière très profonde. Ce que moi j'essaie de faire, ce n'est pas à nouveau parler, ce que moi j'essaie de faire, c'est davantage évoquer la dignité de base. Simplement dire, l'ouvre-boîte, il existe l'ouvre-boîte. Voilà, ça c'est une évidence. L'ouvre-boîte, il existe. Les créatures que l'on rencontre dans les jeux vidéo, elles existent, parce qu'effectivement, elles nous affectent d'une certaine manière, etc. Et la question de leur mode d'existence et de la manière dont elles nous affectent,
c'est quelque chose qui me paraît moi difficilement incontournable. Et l'ouvre-boîte, en tant qu'il est un objet technique, il t'affecte au sens où tu dois d'abord apprendre à manipuler. Il y a une très grande différence entre l'ouvre-boîte que tu tournes comme ça, et puis le petit machin là, qu'on tape dans la chaîne. Et ça introduit dans ton rapport à cette espèce de canette, et dans le rapport à la boîte de conserve et à l'ouvre-boîte, c'est déjà un début de dispositif qui est un dispositif qui est intéressant en soi. Après, ce qu'on va en faire, il est possible qu'on n'en fasse rien du tout, qu'il n'y ait rien à en faire, et que simplement une fois qu'on a constaté ces espèces d'interactions et qu'on a constaté le type de prise que l'on pouvait avoir, eh bien c'est tout ce qu'il y avait à en dire, et puis basta. Non, ça c'est la prise. Tu t'aperçois que l'ouvre-boîte, il t'a fait quand il n'est pas un objet technique. C'est-à-dire quand il n'ouvre pas la boîte, ou quand il est absent. T'as acheté plein de bouteilles de vin, et t'as pas de tire-bouchon. Là, il t'affecte le tire-bouchon. Mais quand le tire-bouchon, il ouvre son truc, il t'affecte pas du tout. Tu le manipules juste. Autrement dit, il y a des objets qui t'affectent par leur absence, comme des êtres t'affectent par leur absence et par leur présence. Oui. Alors, il y a des objets qui t'affectent par leur présence et par leur absence, il y a certains objets qui ne t'affectent que par leur absence. Donc, ça signifie que ce sont des objets techniques. N'ayons pas peur de dire, t'es qu'un pauvre ouvre-boîte, enfin, il ne va pas se fâcher non plus. Et il ne va pas non plus... Parce que sinon, on a vraiment devant nous une sorte d'objectologie générale. Et on ne va pas s'en sortir. Et je trouve très intéressant de savoir quand est-ce qu'il t'affecte. Mais du point, on a parlé ces jours-ci des choses que je vais préparer pendant l'été, je fais la pub pour mon journal, une petite série qui sera « Qu'est-ce qui vous énerve ?» Ça, c'est pour toi. Parce que un paquet de chewing-gum, il ne vous énerve pas quand vous arrivez à l'ouvrir. Mais si vous ne trouvez pas la petite languette et que vous êtes là, vous avez rangé les ongles, vous n'arrivez pas à ouvrir le... Alors là, vous maudissez le monde entier. Ou quand vous faites le 1, faites le 2, vous n'avez jamais un être humain au bout. Là, vraiment, et là, c'est quand il n'y a pas d'être humain au bout que ça vous énerve. Autrement dit, cette électrisation de ton corps, de ton esprit que provoquent certains objets. Tiens, prenons l'objet qu'on aime tous les deux. Si tu prends le rock, écoute, le rock and roll, il t'affecte de toutes les manières. Pas simplement parce qu'il te rend triste, gay, parce qu'il te fait bouger, parce qu'il te rend nerveux, il te fait transpirer. Il y a une exsudation de tes cellules qui vont partout quand on écoute la musique qu'on aime. Mais même quand on ne l'aime pas. Donc, faire cette distinction, je crois que ça peut être très utile. Parce que tu peux introduire non pas simplement l'affect, tu peux traduire l'énervement, l'exaspération, le fait d'être chair nue devant quelque chose. C'est la nudité de l'être. Plus nous sommes nus devant les objets qui nous affectent, plus nous leur donnons effectivement de la force émotive, de la force électrique, de la force dynamique, etc. C'est un concept, moi j'ai pas envie d'écrire sur les objets techniques. Non, mais je comprends tout à fait, et je te dis, je respecte ces distinctions que tu fais. Je crois simplement que tu parles d'ouvre-boîte, de fait c'est un objet technique, et c'est un objet qui s'inscrit dans un contexte. Voilà. Pourquoi ne pas imaginer, j'ai jamais fait l'exercice, quelqu'un devrait faire l'exercice peut-être, devrait tenter de s'intéresser à l'ouvre-boîte. Comme Dagonier, du reste, s'est intéressé dans un très beau livre, un de ses livres, un des livres de Dagonier que je préfère, qui s'appelle « Des détritus, des déchets de l'abject ». Il s'est intéressé à une série d'objets qui sont des objets comme ça, laisser des machines oubliées, des détritus. Bon, ces choses qui n'ont plus aucune utilité, qui ne nous affectent plus en rien, qui ne nous touchent plus en rien, si c'est peut-être sous la forme de la nostalgie, du souvenir, et des choses qui viennent nous travailler, on se souvient de... tel ou son truc avant qu'il lui manque deux yeux et trois bras, enfin bon. Voilà. Mais pourquoi ne pas, sur le mode peut-être de Dagonier, se poser la question, sans que ce soit pour l'instant, pour autant une catastrophe, je ne vois pas la catastrophe à la possibilité d'imaginer une matériologie généralisée, au fond. Voilà, pour utiliser le mot de Dagonier. Il parle de matériologie, moi je ne vois pas trop le problème. Au contraire, l'ouvre-boîte, il peut nous dire des choses très riches, en tant qu'objet technique, sur ce qu'est la technique et sur la place que la technique a prise dans notre monde, dans notre univers. Pourquoi est-ce que nous devons putain prendre des tomates en boîte, quoi? Tu vois, c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce que notre réflexe est de partir par ces objets? Pourquoi ça modifie notre pratique d'alimentation? Pourquoi, etc., etc. Et là, tu peux te mettre à tracer à partir de cette ouvre-boîte dont t'as rien à foutre. Hein, tu peux te mettre à tracer un réseau de conséquences. Il y a un réseau de conséquences très, très intéressant. Donc moi, je pense qu'on est d'accord. Il y a une distinction entre les objets. Quand il n'est personne en particulier, l'objet technique, il t'affecte à chaque fois. Mais peut-être que on va parler avec le mari. On est bavard, donc si vous nous laissez, jusqu'à 20h, on sait. Et encore, on n'a pas vu.